Salut, salut, bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Nous sommes encore aujourd'hui pour vous présenter cette émission sur notre beau pays, la RDC. Comme toujours, avant de commencer, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Comme le titre le dit, Martin Fayulu a jeté l'éponge. Martin Fayulu a écrit une lettre au président de la République pour mettre fin à son combat de vérité des hommes. Bandeko, ndenge zoloba ete titre pe zoloba ete Martin Fayulu atiki makambu ya vérité des hommes. Andimi ete président Félix aza président de la République. Asengi ba créer poste moko bandeko. Ndenge bozomo na photo wana Akene komona ministre britannique de développement tangwaya kina Kinshasa. Donc lettre en sa date elle dit mais akene komona ye ya moni lettre to tiangwana et puis lettre ngo ba panjango partout ba publier ngo partout sur lieu que autant que nos temps dans une proposition datant du 10 mai dernier soumise au ministre britannique de développement ainsi qu'à la présidence de la République. Martin Fayulu formule une série de recommandations. Azo senga pona ba créer poste wana, poste wana yimuta ozala wana, po poste wana et permettre dialogue et permettre que makambu mboka doba travailler ensemble, doba créer poste. Alo bandeko, citation eza mobulu, donc nazo yebate ndeni noko banda parce que ba question ezo bima ete Martin Fayulu akosi peuple Martin Fayulu alobi na peuple vérité te bazo coopérer na président Félix alo bandeko politique eza compliqué mais botika koloba bongo Martin Fayulu akokosa peuple te mais asengi ba créer poste ba travailler na président Félix donc tant asengi yango asala kyango une lettre. Mais nana bimisi makamango lelo. Muta bimisi makamango le bimi boeza ensemble pour le changement. Olivier Kamita tu muta bimisi ba secret wana pe siko lettre on pe présidence bazana biloko nyonso pe lettre on pe ba panjango partout na ba media. Nana panzi lettre wana eza lettre moko secrète a comme là qui président pour ba créer poste. Mais bande de kwetie mon boulot. Peuple a sepeliti. Peuple a zana kanda Martin Fayulu. Pourquoi que ne coopérer na président Félix? Peuple a sepeliti. Alors les amis. En outre, cela, le coordinateur de la dynamique de l'opposition et candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre dernier poursuit à travers cette proposition en suggérant l'organisation de nouvelles élections qui s'éteindra à tous les niveaux présidentiels, législatifs, nationaux et provinciaux, auxquels pourront prendre part par tous les Congolais sans distinction dans un délai de 13 à 18 mois. Na lettre na souka bandeko, d'abord y a l'obété à Sengete. Dans 18 mois, dans 18 mois, dans une année et 6 mois, ba merci qu'organiser l'élection, mais entre-temps, il y a un dirigé poste. Allo, bandeko. Et ça, mon boulot. Parce que dans la lettre, dans la lettre, Martin Fayulu a commis pour avant signé, pendant cette période de réforme, allant de 12 à 18 mois, M. Félix dirigera le pays. Et Martin Fayulu dirigera les HCNRI. Donc HCNRI ou l'AXI au Conseil national des réformes institutionnelles. Donc Martin Fayulu a déjà posté Wana. Donc va travailler ensemble dans le président Félix Tshisekedi. Il y a une place, peuple, en colère. Pourquoi qu'on dit ma poste Kuna? Pourquoi ce singe va comme ma lettre ma poste? Non, il y a pas si proposition. Mais peuple a en colère.
parce que biso côté te éviter bon bazo coopérer mais les trois ans kala les guillemets peuple a yébité na nyonso zo le ka peuple a yébi na été que l'être comment est pas président bon qui va créer poste pour na Martin Fayulu alors poste yango yango wana bandeko alors à vous de commenter na minga olobate Martin Fayulu akumaki l'être wana apesa wana ministre britannique de bozo wana photo wana to tie bango na photo wana mokola kino pese le di mais yon kounyu zelem no ba preuve de yon na photo wana mokola kino pese lettre copie apesa wana présidence lettre wana apesa copie na ministre britannique o ayaki na RDC pour ba créer poste pour na Martin Fayulu a dirigeant wana gouvernement. A vous de commenter. Au revoir, à la prochaine.